Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour jouer à Morune Kart. Alors vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Je pose encore la question. Alors il faut savoir que Morune en fait est une série à la base qui se base sur un jeu où en fait on shootait des poulets. Et ils en se sont dit un jour, eh ben, si on faisait un jeu de karting, tellement que le jeu s'est bien vendu. C'est un jeu, mine de rien, qui était assez populaire, plutôt en Allemagne, hein, je précise, d'où le nom un peu allemand. J'essaie de faire la traduction, ça me met la traduction grousse. Alors je sais pas ce que c'est une grousse, hein, c'est peut-être un poulet, j'en sais rien. donc voilà, donc c'est une Phenomedia AG en fait. Ils ont fait plein de jeux, ils ont même fait un 2, ils ont même fait plein de séries jusqu'en 2017 je crois, même sur 3DS ou DS, je sais plus. Et elles ont joué du coup à la version Play 1 du premier jeu de cartes qu'ils ont sorti. Alors autant être franc tout de suite, on part pas sur un niveau super élevé, hein, donc je pense que Mario Kart, quand je t'imagine que tout le train de toit peuvent se rendormir, ils sont pas prêts d'être battus. Alors, donc le jeu est en allemand bien sûr, donc menu principal, donc on peut démarrer une course, on peut faire un duel de cartes, on peut avoir les Z, et on peut avoir d'autres options. La musique est plutôt sympa. On a le SFX, donc ça c'est pour régler les sons, les effets quoi. On peut mettre les vibrations. Ça c'est pour régler l'écran, donc on va laisser comme ça. On peut faire les high scores, les crédits, et évidemment on peut changer, sauvegarder la partie. Donc il n'y a pas beaucoup de modes, hein. C'est un jeu qui se veut pas non plus... Comment vous dire, c'est pas un jeu qui est très... J'essaie de regarder avec mon micro. C'est un jeu qui est pas super long, hein, vous aurez compris, ça reste les jeux à l'ancienne sur Play 1. Et du coup, on va faire une petite partie, donc on a un mode de contrôle la montre, on a un mode Grand Prix et un mode de joueur. Je vous montre le mode contrôle la montre histoire de commencer un petit peu. Donc on a les 10 personnages, on a Morune, on a Lesun, on a Mofrosh, Frosh c'est la... c'est la grenouille il me semble, ouais. On a Pumpkin, on a Schneemann, donc l'homme de neige, le bonhomme de neige. Hein. Schnee, c'est la neige, voilà, regardez comme je peux la péter en allemand, magnifique. Donc on va prendre, le premier par exemple, Morune. Donc on a plusieurs circuits. On a un circuit extérieur, on a le Wust, on a le Canyon, on a le Eisfeld, on a le Fulkarnfeld, et je commence à parler d'allemand, c'est ignoble. Et voilà les circuits qu'on a de disponibles pour commencer. Alors ce qu'on va faire, c'est comme on risque d'avoir le même circuit si on fait un mode Grand Prix, je vais commencer par les derniers, comme ça au moins on est tranquille. On va faire le Eisfeld. Montagne de glace. Je crois que c'est ça, hein. Ouais, comme ça. Il me semble que c'est ça. Mais ou alors glacier peut-être. Alors c'est parti. Et j'ai fait un faux départ. Bon, c'est parti. Alors, on regarde un petit peu les décors. Alors ce jeu, je sais plus en quelle année il est sorti. Mais, donc on est sur Player, hein, je le rappelle à nouveau. C'est un jeu qui est ultra basique de karting. C'est d'accord, je peux même pas sortir. C'est vraiment sur des rails, enfin la piste elle est très très limitée. Je peux pas sortir de la piste, hein. Concrètement, je peux pas... Voilà, là je peux, parce qu'il y a un trou. Mais autrement, je peux pas aller à droite si je veux, je suis un peu bloqué. On a une vue arrière avec les gâchettes, je vous montre un petit peu, voilà, on voit le personnage. Le personnage est en 3D, ce qui est plutôt pas mal. En tout cas pour l'époque. On a des raccourcis. Alors j'essaie de faire demi-tour si j'y arrive. Regardez, on a quelque chose qui nous indique qu'on est en sens inverse. Et voilà, et là on peut passer par là, on peut couper complètement. Avec le décor qui disparaît, c'est magnifique. Voilà, il explique qu'on a une route qui est un petit peu séparée. Alors le jeu est spécialement très très peu détaillé. Alors, le jeu est pas forcément moche en soi, surtout que si on se repose dans le contexte, c'est-à-dire ça peut aller. Mais la framerate est assez dégueulasse, vous allez voir que c'est assez saccadé suivant les moments. Et surtout, bon il y a quelques détails, hein. Alors, on a des morses, on a un petit peu de genre autour. Mais on voit quand même que c'est un moteur graphique qui est quand même déjà ultra dépassé pour l'époque. Ma foi. Donc le maniement est très très basique, hein. Gauche, droite, vue arrière. Si je fais carré, ça freine. Si je fais rond, il se passe rien. Et si je fais triangle, je sais pas ce qu'il fait. On dirait qu'il se lève. Non? Ah si, il va en marche arrière avec triangle. Regardez, il peut avoir marche arrière, il se retourne. C'est un petit peu comme Crash Team Racing d'ailleurs. Bon, on a fini un tour. Bon, évidemment, je suis très très lent parce que je... Ouais, là, ça lag un petit peu.
Parce que je vous montre tout simplement le jeu. Si j'appuie sur Select, il se passe rien. Et si on fait Start, ben évidemment, on a le menu pour pouvoir sortir de la course. Donc, on peut recommencer la course ou sortir complètement. Et là, ce que je propose, c'est qu'on va faire une petite course avec 4 autres cartes. Alors, on est 5 seulement. Pas beaucoup, mais bon. Allez, on va faire un petit grand prix. Je prends lui là, il me fait penser à. Alors, bon, il faut le dire vite. Il me fait penser un peu à Polar dans Crash Team Racing, donc du coup, c'est parti. On va prendre le bonhomme de neige. Alors, c'est un jeu qui, évidemment, paye pas de mine, qui s'est fait, je pense, totalement écraser en termes de vente, hein, pour peu que les gens aient acheté ça. Je sais pas s'il y en a beaucoup. Ah, j'ai encore fait un faux départ, et du coup, sur la ligne, ils ont tous me dépassé. Alors, évidemment, c'est un jeu de karting, donc il est jeu de karting, on a des bonus. Donc là, par exemple, j'ai un. Voilà, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est cet item. Autant les autres sont assez compréhensibles, autant là, pas trop. Je vais même pas mettre la vue arrière, et si je fais rond, voilà, je place. Ah, c'est du chewing-gum, j'ai l'impression. Je crois que c'est du chewing-gum, ça devrait ralentir les autres. Bon, ils avancent une boule, voilà, je vais mettre. J'ai un 16 tonnes, donc une sorte de gros poids. Là, ça fait vraiment penser à Crash par contre, Crash Bash. Donc en fait, du coup. Oula, je me suis fait démonter par un missile. Allez, on est tous bloqués. Qu'est-ce que c'est ? On a une roquette, je peux utiliser. Ça n'a pas marché, ça a tiré tout droit. Et ça l'a pas touché, c'est-à-dire que les roquettes ne sont pas. Sont pas téléguidées. Je vais attendre un petit peu. On va essayer de le rattraper. Et on va essayer de le frapper. Vous allez voir, on va choisir quand on peut le frapper, quand on veut le frapper. Et ça, c'est assez marrant. Et comme vous pouvez le voir ici, les items sont conservés d'un tour à l'autre. Hein. C'est-à-dire que si vous le laissez à un endroit, il sera encore présent au tour 2. Ah, c'est vraiment pas facile d'utiliser, je crois que j'ai touché personne. J'ai pas réussi à utiliser le gros marteau. On est dans le deuxième tour. Alors, bon, quand je dis maniement facile, voilà, je vais poser derrière une sorte de plaque avec des clous. Mais ça m'a pas trop aidé. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Absolument rien. Alors, je crois que c'est un bouclier, je pense. Enfin, je crois que ça ressemble pas trop à un bouclier, d'ailleurs. On va passer à gauche, voilà. Et quelques autres... On peut dire raccourcis, hein, ça serait faux. Ah, c'est retombé devant nous. Je peux même pas changer la vue. Vous avez la flaque d'eau, elle est restée. Je vais la mettre ici. Je vais essayer de les bloquer. Bon, l'IA est assez... Enfin... Non, elle est pas facile, c'est pas du tout qu'elle est facile parce qu'elle est quand même assez proche. Mais c'est surtout que. J'ai utilisé un petit boost. C'est surtout qu'elle revient assez vite. C'est-à-dire que si je fais pas d'erreur pendant deux tours, il suffit que je fasse une seule erreur ou prenne un item pour me retrouver juste derrière eux. Donc on a fini la première course. Le classement. Vous voyez, c'est par temps, hein. C'est même pas par nombre de points. Et on va faire un deuxième circuit dans le désert. Encore une fois, j'ai accéléré trop vite. Allez, c'est parti. Donc on est dans le désert avec les chameaux, enfin tout ce qui peut représenter, on va dire le Sahara ou autre. Je vais passer par là. Je découle le circuit en tant que vous, hein. J'ai juste testé le jeu en amont sur le premier tracé. Allez, on a quelques trucs à esquiver. Et là, on est... Ok, on est sorti. Je sais même pas comment c'est possible. Un peu bizarre. Alors les musiques sont très très basiques, mais je les trouve pas spécialement nulles, je les trouve plutôt on va dire passables, hein, mais je trouve qu'elles ont un petit air sympa, voilà, elles sont pas trop embêtantes, et voilà, je suis encore fait démonter par les IA. Alors on peut déraper, mais il n'y a pas de boost, rien du tout. Hein. Et je me suis pris je me suis pris la flaque d'eau. Allez, on va essayer de la rattraper. On est dans le tour 2. Peut-être que je pourrais vous montrer ce que ça donne la fin. Ah non, ça j'aurais dû le jeter avant. Enfin, j'aurais dû attendre un petit peu. Ah, il suit complètement le tracé, hein, ça va vachement loin. Mais il y a le framerate ici qui commence à dégringoler.
encore sorti. Je crois que c'est le même endroit que tout à l'heure, hein, d'ailleurs. Bon, ils ont des marteaux, mais ils disent pas, alors du coup, on va profiter pour prendre leur première position, et je me suis fait mais rouler dessus. C'est bizarre parce que chaque fois que je les passe, je prends un item qu'ils ne possèdent même pas à la base. Ah, une cadette pour aller plus vite. Et ouais, c'est qu'évidemment, si je passe devant trop près et que l'autre il a le marteau, je vais me le prendre. Bon, le joueur lui-même, s'il est très très bas techniquement, voilà, hein, graphiquement c'est assez naze, maniement c'est assez naze, reste très maniable quand même, c'est-à-dire que le maniement est nul dans le sens où c'est ultra basique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop d'intérêt réel, on ne prend pas de plaisir en fait à rouler avec ses kartings, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre, ça aurait été pareil. Voilà, j'ai pris un chewing-gum. Mais il est facile, donc c'est là qu'en fait il est pas en défaut le gameplay, voilà. Et en l'espace de quelques secondes, vous allez réussir à comprendre comment manier le karting sans problème. Et j'ai gagné, c'était juste, mais j'ai réussi à gagner. Ce qui manque, c'est un petit peu de fun, hein. C'est un petit peu d'items différents, un peu de détails, un peu de vitesse, un peu de maniement, voilà, c'est un peu de tout. Et regardez au niveau des temps, 2,44, 48, 44, on était 3! 3 en l'espace de, ouais, de 5 dixièmes et même à peine un centième entre le deuxième et le troisième. Et au classement des temps global, on est en tête, mais ça peut vite changer. Hein. Il suffirait de se retrouver dernier une course et peut-être que, avec le temps perdu, on se retrouve dernier. Alors peut-être qu'on va finir le jeu durant cette vidéo, on sait jamais. On est déjà à la deuxième course, la troisième course maintenant. J'ai encore fait un mauvais départ, décidément. Et du coup, je bloque l'IA. Ça, c'est pas mal. L'IA est complètement bloquée, elle essaie même pas de me dépasser sur les côtés. Donc là, on est dans le canyon. Enfin, attention, le canyon est un petit peu plus compliqué. Tout simplement parce que. Bon, en plus, il y a des petits raccourcis. Tout simplement parce qu'on peut tomber beaucoup plus facilement. Ouais, je vais plutôt mettre des items derrière moi. Hein. C'est plus profitable. Allez, je peux passer sur la droite. Mais je suis complètement loupé. Et apparemment, je suis pas le seul, puisqu'il y a un autre concurrent qui est juste à côté. Oh là, la flaque d'eau. Voilà, un petit raccourci. Bon, faut-il réussir à le prendre? Ah, si je mets un trou, je pense que tout le monde se le prend au prochain tour. Dont moi d'ailleurs. Musique un peu country qui va bien avec le thème. J'aurais pu poser son item un petit peu plus tôt. J'aurais pu me toucher vu que j'étais derrière lui. Et voilà. La flaque d'eau, elle a bien marché. Sauf qu'il m'a repoussé, du coup on retourne dehors. Alors, des fois je trouve que les graphismes font penser un petit peu à une fin de loup. Si vous avez joué à ce jeu sur PlayStation à l'époque, vous remarquerez quand même qu'il y a quelques petites textures qui peuvent faire penser à ce jeu. Surtout dans ce circuit présent. Alors là, il y avait un trou, mais comme il avait l'item d'invincibilité, il s'est rien passé. Allez, dernier tour. Et voilà. Oh non! Il va revenir. Ah, faut pas que je termine trop loin du premier par contre. Un petit peu dommage. Je crois que c'est là. Hein. Bah, c'est... Ah non, il n'y a plus le... D'accord, une fois qu'on l'a pris, en fait, il n'y est plus. Ah, c'est bon à savoir ça. Il disparaît en cours de partie. Et voilà, à peine je suis passé devant lui. Il m'en a remis une couche. Alors là,
pour remonter, ça va être que t'as... Ah non, si, c'est bon. Allez, troisième. Par contre, le premier, il doit être à l'empèbre. Et je termine deuxième. C'était très juste. Hein. C'était vraiment très juste. Alors du coup, on va voir combien le premier avait d'avance sur nous. Je pense qu'il devait avoir moins 10 secondes. Hein. Attendez. Pourquoi le premier est plus lent que tous les autres? Et pourquoi les 4 derniers sont dans le même dixième? Enfin, dans, à peu près dans les mêmes dixièmes. Et un gros bug là, c'est tout de fou. Pardon. Qu'est-ce que c'est que ce bug, regardez. On est à 9 minutes 51. Mon dernier. C'est quoi ce bug? Bon, on va faire la prochaine course. Alors déjà, vous avez vu les temps, c'est pas possible. Il s'est passé un truc là, je sais pas comment c'est possible. Mais en gros, les temps sont totalement anarchiques, il y a un problème là. On est dernier. Ouais, c'est sûr, on s'est pas trompé au départ. Bon, je sais pas ce qui se passe au niveau des chronos, mais je vois même pas de logique quoi. Là, on est premier, il y a quelqu'un devant nous? À moins que ce soit par... par secteur. Qu'est-ce qui se passe avec ce jeu? Eh bien d'accord, j'étais vous avez bien vu la position, hein, j'étais premier. Mais il y avait une IA devant moi. Je comprends pas. Il faudra faire gaffe au deuxième tour de pas prendre la partie à droite. Parce que c'est celle où j'ai mis le petite planche. Bon, sauf si évidemment une IA est déjà devant moi et que ça prend, hein, mais... Allez, le Ceston. Ah, je suis premier, mais il y a quelqu'un devant moi. C'est incompréhensible là, ce qui se passe, hein. Bon, j'ai jamais réussi à les toucher avec le... Alors eux, par contre, ils y arrivent direct, moi non. J'ai jamais réussi à les toucher avec la roquette. Bon, je suis troisième, mais en fait, je suis quatrième. Bon, c'est pas grave. Oh là, j'ai esquivé, je sais pas comment il a fait pas me toucher. Bon là, je crois que je suis invincible quand j'ai ça. Hein. Oh, ils sont proches. J'ai mis un chewing-gum derrière moi. Est-ce que c'est... Ah oui, c'est encore les roquettes. Alors, je peux pas tirer. Voilà, j'ai pris le trou, c'était une évidence totale. Je me suis pris le... Voilà, ça s'arrête pas. Je me suis pris le trou, la roquette, tout va bien. Allez, je vais essayer de les prendre l'intérieur. Bon, ça va même pas toucher quoi. Là par contre, là oui. Alors je suis en tête, regardez-moi ça, c'est n'importe quoi. Ouf, il s'est pris. Et on va finir deuxième. On va finir deuxième, je sais pas si les temps vont être totalement anarchiques ou pas. Pour ce quatrième round, il reste plus qu'une course en plus à faire, je crois. Là par contre, c'était plus réaliste. Effectivement, on était juste derrière. Mais je suis à 11 minutes. Je suis à 11 minutes, je comprends pas. Qui compte? Bon, c'est pas grave, on va aller jusqu'au bout. On va aller jusqu'au bout. Et c'est sûr que s'il y a un bug dans la deuxième partie qu'on perd autant de temps, ça veut dire que le jeu n'est en fait infinissable, n'est pas finissable du tout. Alors, on est dans la lave, meilleur départ. Enfin, on est dans la lave, on est autour de la lave. Ah, ça commence bien, je me suis pris dès le premier. Ouh, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un raccourci si on tire tout droit, mais je pense pas qu'on puisse sauter, donc normalement non. Et allez, on est reparti à nouveau. De toute façon, je pense qu'il n'y a aucune chance de remonter puisqu'on a 2 minutes de retard. Donc je vais utiliser mon petit marteau, voilà. Je me demande toujours que c'est qui a pu acheter les jeux à l'époque, hein. Vraiment. Tu sais, on dirait un peu le jeu. Alors, tu sais, je te parle comme un Québécois là. Enfin, non, pardon, désolé pour les Québécois qui ont déjà un accent de merde. Mais mais en gros. On dirait un jeu qui a pu sortir sur des paquets de Kellogg's, hein. Vraiment, hein.
Non, le seul souvenir de jeu sorti sur le truc de Kellogg, c'était Lucky Luke. De l'infogramme, il me semble. Qui par là était bien meilleur que ça. Et j'ai même pas réussi à en taper un en fait. Toujours pas. Oh, regardez, ça nous envoie dans le décor. Il y a un pingouin. Faut qu'il s'y foule. On va mettre la plaque d'eau. La flaque d'eau. Bah, sur moi-même, hein, histoire de, voilà, de bien perdre du temps. Je suis invincible. Je ne peux pas être invincible. Allez, dernier tour. Dernier tour. Qui c'est qui a fait l'erreur? Et voilà, je m'en serais douté. Allez, dernier. Et voilà, du coup, je suis sûr que je vais me prendre tout dans la tronche dans le dernier tour. Ça, c'est le genre de truc qui m'arrive très souvent dans les jeux. Allez, le truc pour aller plus vite. C'était pas le bon endroit pour utiliser, mais c'est pas grave, ça s'est passé, c'est passé. Wall premier, encore un petit coup de boost. Yahoo! Et voilà, à peine j'ai effleuré le bord, c'est terminé. Et je suis pris le trou. Alors ce trou était bien placé parce qu'il était vraiment pas visible avec le. Avec le fond gris. Et il s'est pris un chewing-gum. Ah! On va repartir. Ouais, bon, bah là en plus j'ai crevé. Décidément. On s'est tout pris hein, dans le dernier tour. Voilà, on termine 3ème. On a fait 2 minutes 23. Normalement j'étais à 11 minutes et 4, donc on devrait être à. On devrait être à 13-14 minutes. On va voir le temps final. Et voilà, je n'ai pas été qualifié. On va finir à la première place. Sauf qu'en fait, comment vous dire, si le jeu t'enlève 3 minutes, comment tu veux gagner? C'est totalement impossible. C'est totalement impossible en fait. Bon, je vais remettre ça sur le compte d'un bug. Mais c'est du coup, c'est dommage. Attendez, on va faire 9. Bon, on a un quart de duel. Ok. On peut charger un fantôme, mais on va mettre Fighter plus tard. Ah, mais on en a pas en fait. On en a pas. 9. Carte duel. Suruk. Je suis revenu en arrière, donc je peux pas le faire. Et le mode help, voilà, ça nous explique un peu tout. D'ailleurs, on peut voir que. Qu'il n'y a pas grand chose. Voilà, power up, L1, R1, rond. Voilà ce que j'utilise, c'est rond, carré, X pour accélérer. Rien d'extraordinaire. Power up 1. Wasser bomb, voilà. Holzhammer, Kaugumi. Kaugumi, c'est le chewing gum. Turbo dose, Wurfloor, Fire Kugel. Ok, on l'a vu. On a eu tous les items, hein. on l'a tous essayé. Bon, bah écoutez, je sais pas quoi vous dire de plus. Hein. C'était Maroon Kart. Maroon Kart. Sur PlayStation, un jeu. Non, franchement, ça n'a pas aucun intérêt ce jeu, vous l'aurez compris. Je suis gentil sur beaucoup de jeux en général, hein, si vous suivez ma chaîne, mais là vraiment. Bon, si sur le plan technique, c'est pas non plus la cata. Hein. Sur le plan d'intérêt, par contre, on va dire qu'il est au niveau 0. Je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Ciao tout le monde!